Bon les amis, bon déjà j'espère que vous allez bien. Par où commencer? Alors déjà, je tenais quand même à vous dire merci beaucoup pour tous vos messages. Parce que franchement, vous avez été genre incroyable. Même moi, j'étais choquée d'avoir reçu autant de messages. Désolée à ma famille et mes amis du coup, bah, à qui j'ai pas répondu. Parce que vraiment, j'ai passé 3 jours, mais quand je vous dis horrible, genre le mot il est pas assez puissant, je crois, pour dire horrible. Quand même, je tenais aussi à vous dire que moi, déjà, faut savoir qu'on m'a toujours appris quand on ne sait pas quoi que ce soit, on ferme sa bouche. Donc c'est valable pour vous quand vous ne savez pas, fermez votre bouche au lieu de faire des polémiques ou d'inventer des trucs mais de psychopathe, genre carrément. Enfin, bref, je suis pas polémiquer 20 ans moi aussi là-dessus, mais voilà, je tenais à dire quand même que quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. Donc je vous disais, voilà, quand on ne sait pas, on ferme sa bouche, c'est mieux pour tout. C'est au moins il n'y a pas de non-dit, de parce que vraiment j'ai vu des trucs, mais je me suis dit, mais c'est grave. Moi-même, la principale concernée, je ne parle pas, je fais aucune story et on arrive quand même à trouver des trucs qui sont improbables. Ok, d'accord. Bref, c'est pas grave. Donc après, voilà, je vais pas non plus rentrer dans le sujet parce que bah, ça me regarde et c'est personnel, c'est très très personnel même. Et voilà, mais je voulais quand même vous dire merci pour tous vos messages. Et du coup, ben maintenant ça va mieux. Beaucoup mieux même. Je revis. Mais ça a été très très dur, dur, dur. Vraiment horrible. Donc du coup, ben voilà, c'était pour aussi vous dire que maintenant, ça y est, je reviens sur mes réseaux. Vous m'avez trop manqué. Ça m'a fait bizarre quand même de pas être active pendant ces jours. Parce que moi, j'ai pas l'habitude. Je vous montre toute ma vie, toutes les 5 minutes limite. Du coup voilà, c'était pour aussi vous dire que bah, je revenais sur mes réseaux, j'allais pas revenir comme ça sans vous expliquer bah, le pourquoi du comment, sans bien évidemment rentrer dans le but du sujet. Et voilà. Sinon, à part ça, bah, encore une fois, j'espère que vous allez bien. Je suis en travaux, mais quand je vous dis en travaux, j'ai plus de cils, j'ai plus d'ongles. Il n'y a rien qui va, faut que j'aille m'épiler. Enfin, c'est une catastrophe. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Donc maintenant que j'ai la tête à ça y est, je vais faire mes ongles, mes cils. Bon, sinon les amis, je vous souhaite quand même une très bonne journée et voilà, je vous fais plein de gros bisous, vous m'avez trop manqué. Moi là, je me suis levée très tôt parce que j'ai des papiers à faire et voilà, cet après-midi, je vais rester tranquille à la maison, je vais bronzer, il fait trop chaud. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et les amis, juste, je reviens donc sur les stories de tout à l'heure. J'ai oublié de vous préciser quelque chose, vraiment, faites très très attention à vos amis. Vous voyez, quand tout va bien. Quand il y a la fête, quand il y a les sorties, quand il y a l'alcool, il y a le bateau, il y a les belles voitures, que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. Eh bien, je vous jure, les amis, que quand ça va mal et qu'il n'y a rien qui va, il n'y a personne, il n'y a que vous et votre famille. Et c'est souvent les amis qui sont plus proches, les plus proches de vous, pardon, eh bien, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas des amis. C'est des gratteurs finis et gratteuses finies. Moi, je vous le dis. Et vraiment, c'est un conseil que je vous donne parce que moi, on me l'a toujours dit. Et comme je suis très têtue, je veux toujours voir les choses par moi-même. Je n'y croyais pas. Et pour moi, je vivais un peu dans un monde de bisounours, vous voyez. Et ben, je peux vous dire que c'est terminé maintenant. Et franchement, les amis, pour être honnête avec vous, moi, je suis une personne qui sent les choses comme ça. C'est-à-dire que quand il y a des profiteurs ou des profiteuses autour de tout ça, là, je le sens, en fait, je le vois. Mais en fait, il y en a tellement qui jouent ben, grave bien leur jeu qu'ils vous endorment comme ils veulent. Et bien en fait, il faut attendre ben, qu'il y ait des moments de down comme ça pour vraiment voir leur visage. Et ben, je peux vous dire que c'est choquant, je vous jure, c'est limite ça le pire en fait. Genre, tu te dis, mais qu'en fait, il y a tout qui va, tout est beau, tout est rose, il y a pas de problème, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de truc grave, tout va bien, genre tout le monde t'aime, tout le monde veut sortir avec toi, tout le monde veut profiter de ta gueule, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Mais en fait, quand tout va mal, je vous jure, c'est... Et c'est souvent les amis, comme je vous ai dit, les plus proches qui vous la mettent bien comme ça. Franchement, incroyable.